Bonsoir tout le monde, bienvenue, vous êtes sur IVA Sound, nous sommes mardi soir, il est 21h, et ben, mardi soir en général c'est jeu de société, et je suis Jake et je suis accompagné de Ando, toujours mon fidèle Ando, sur notre aventure, nos aventures à bord des petits trains de chaque pays, chaque continent. Comment vas-tu? Oui, hello tout le monde, ça va super bien. Alors ce soir, on est encore sur Ticket to Ride des Aventuriers du Rail. Un jeu de société qu'on va pas re-représenter, qu'on aime beaucoup, et on a encore pas mal de choses à faire dans les divers parcours, divers trajets, divers voyages qu'on peut tester et jouer tous ensemble sur ce jeu de société. Du coup, on va partir, si ça veut bien charger, sur un autre plateau. La dernière fois, c'était la France. Et cette fois-ci, nous partons dans les pays nordiques, en l'occurrence Norvège, Suède et Finlande, voilà, tout simplement. Je suis pas sûr que ça aille jusqu'à la Finlande, par contre. On va voir le... De mémoire, la carte est assez fine. Elle est fine, mais à voir, on va voir et tu vas me dire, oui. C'est toi le professeur. Je suis professeur d'anglais et de maths, pas de géographie. On va voir. Normalement, comme d'hab, même salle, même passe. Yes. Il me semble qu'il y a quand même les trois pays. Ah bah si, effectivement. Alors, nous avons une musique un peu de la neige, ça tombe bien. On est en décembre. C'est un peu du roleplay, ça. Nous avons des particularités dans cette map. Nous avons des routes spéciales. Murmansk, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça doit être un peuple. Ou alors c'est Lewski, je sais pas. Une ville peut-être. Je sais pas. Nous avons des berges, des locomotives utilisables uniquement pour les ferries et les tunnels. Ok. On a une règle spéciale pour les ferries. Jusque là, je pense qu'on connaît. Les vocales... Ah mais là c'est ok, bon. Là, les locomotives à l'une carte à la pioche, ça ne change pas. Et dans une partie à 3 joueurs, on peut utiliser les voies doubles, ce qui n'est pas le cas quand on est à 2. Ça ne change pas. Les objectifs rejetés sont retirés de la partie et ne reviennent pas dans le tas. Voilà, tout simplement. Je vais peut-être monter la caméra parce que les objectifs iront en bas à gauche. Hop là. Et cette fois-ci, vous allez les voir. Ah, punaise. Voilà. Streamlabs, à chaque fois, c'est la même chose. On va y arriver. Voilà. Et ouais, du coup, on est sur vraiment une carte qui est vraiment tout en longueur. C'est ça. Assez étroit. Oui, très. C'est vraiment une carte où on risque vraiment de se gêner. Je pense, oui. Alors, je regarde les trajets. Il y a des noms qu'on va écorcher. Je le dis, il y a forcément des noms qu'on va écorcher. On va faire en sorte de pas trop les écorcher, mais bon. Veuillez nous en excuser si vous êtes de ces pays-là. Yes. Sachant qu'ils parlent beaucoup anglais, c'est la Scandinavie, on est d'accord. C'est ça, oui. Bon, je pense que j'ai choisi mes objectifs et je n'en prends que 3 sur 5. Les autres, je les sens pas. Voilà. Et c'est moi qui commence. Soit. Les cartes locomotives sont enneigées. Et wagons. C'est trop beau. C'est trop beau. J'adore particulièrement la carte locomotive, elle est. Magnifique. Je sais pas si je pioche. C'est une hésitation. Allez, on va faire ça. Pour une fois, c'est une carte où je peux dire je suis allé dans telle ville. Oui. Je suis déjà allé à Stockholm, la seule ville étrangère que j'ai fait de ma vie. C'est vrai, bah t'as été en Espagne aussi un peu, non? Non. Bah au plat de la case, en Andorre, c'est la frontière, donc. Voilà, c'est pas la France. C'est la frontière. Tu as été dans une autre ville étrangère. Ouais, mais ça compte pas. Puis y a pas grand chose à visiter.
Bah, il y a surtout des trucs à acheter pour. Il y a surtout des trucs à acheter détaxés. Oui. Point cher, point cher. J'ai l'impression que la musique est trop forte, mais en et fait, sur le site. T'as jamais fait de voyage scolaire ou quoi? Si, mais par chez moi. Ah. J'ai déjà fait une sortie une semaine en classe verte, je crois qu'on disait. À... Mm-hmm. C'était pas loin de Font-Romeu dans les Pyrénées. Okay. C'était à. Espérade. Non, c'était. J'ai oublié le nom du patelin. Et je m'en souviens pas trop, mais ce que je me souviens, c'est qu'on a tous eu la gastro à la fin du séjour. On est tous rentrés, oh, toute la classe super. Avait la gastro. Voilà. Bon souvenir. Toute la classe. Et du coup, pendant quelques jours, les profs étaient tout seuls. Parce qu'on n'était pas là. Bah oui. Ah là là, la classe verte, ça forge l'esprit. Ouais. Mais et... sinon, Stockholm, pour de vrai, donc ça, c'était y a un peu plus d'un an et demi, presque 2 ans maintenant déjà. C'était juste avant la crise sanitaire. Quelques jours après, on était confinés. J'adore. Et c'était plus un voyage de travail qu'autre chose, mais je m'y suis bien fait plaisir. J'ai vu de très belles choses. J'ai vu une mentalité, une ouverture culturelle impressionnante que je n'ai jamais vue jusqu'alors. C'était très très agréable. Et une culture artistique très très forte aussi. Donc j'aimerais beaucoup y retourner. Sans y bosser, mais juste y retourner. Et alors, question, parce que du coup, tu as pris la première fois l'avion à ce jour-là ? J'avais déjà pris l'avion avant. Ah ! Pour la Paris, je suppose. C'est ça, ouais. Vu que tu restes en métropole, tu m'as dit. Et comment ça s'est passé ? J'ai cru comprendre que c'était un petit peu compliqué pour toi l'avion. J'aime pas du tout ça. J'en tremble, j'en sue énormément. Je suis vraiment pas bien en avion. Il me faut le temps d'adaptation. Une fois que l'avion est stable dans le ciel, ça va un peu mieux. Mais par contre, j'ai les oreilles qui sifflent énormément et c'est pas agréable. Ah, les acouphènes, ça c'est. Ouais. C'est pas top, ça c'est vrai. Alors, et du coup, pour aller à Stockholm, on avait fait Toulouse, Munich, Stockholm. Et le retour, c'était Stockholm, Francfort, Toulouse. Escale, c'était assez long pour quel temps un peu de visiter ou pas du tout? Les escales, c'était quelques... même pas 2 heures. Ah oui, donc pas le temps de... Non, on reste à l'aéroport. Oui, pas le temps. Parce que, il y a fort longtemps, en 2012, je crois, mon père... je lui fais des gros bisous, hein. On était partis au Maroc. Et du Maroc, bon, bah, il n'y a pas grand temps de trajet, il doit y avoir 2 heures à peu près. Donc on prend l'aller, tranquillou, tout va bien. Sauf que mon père, malin qu'il était, n'a pas fait attention que pour le billet retour, il avait pris une escale à Madrid. Ah. Donc du coup, c'est un peu embêtant, tu vois, de faire... c'était Marrakech, Madrid, Madrid, Paris. Mm. Alors que bon, bah Marrakech, Paris, c'est... Enfin, ouais, quoi. Donc voilà, on a perdu... Resté du coup une nuit à Madrid. Parce que, évidemment, c'était une escale un peu longue. Mm. Et... une nuit à Madrid, pas top, du tout en plus. Dans un hôtel où on était en plein été, il n'y avait pas de piscine. La piscine est normale et mon père avait choisi l'hôtel justement pour qu'il y ait une piscine et tout. La piscine était hors service. Ok. Drôle. L'amabilité de cet hôtel, c'était vraiment pas ça. Depuis, mon père a développé un peu une sorte de réticence envers le peuple espagnol. Oh, mais il faut pas tout généraliser. Non, effectivement, ouais, c'était pas ouf, quoi, dans cet hôtel, pardon. On n'a pas été hyper bien accueillis. Mmh. Alors, on va prendre ça, du coup, et ça. Ah oui, on peut prendre 2 cartes locomotives aussi. Sérieux ? Oui, maintenant que tu pioches, quand tu pioches une carte locomotive, tu peux encore repiocher derrière. D'accord. Article à savoir. Oh.
Ah, par contre, les cartes locomotives, c'est vraiment que pour les locomotives, quoi. Mm. Ça ne remplace plus les autres couleurs. C'est embêtant. Je réfléchis. Je me demande s'il y a un objectif ou un truc secret qui dit rejoignez Oslo, Stockholm et Helsinki. Oui, ou peut-être même Copenhagen. Bah c'est Copenhague ça. Copenhagen c'est Copenhague, donc il y a un bout du Danemark. Oui, il y en a même un petit bout de l'Estonie aussi. Ouais. Et Bergen, Stamine. C'est un gros point aussi. Mais c'est pas une capitale. Bergen. Il est où Bergen? En bas à gauche. En bas à gauche. Entre quoi et quoi? Entre Andalsne, Stravanger, en dessous de Lillehammer. En dessous de Lillehammer. Oslo. À gauche d'Oslo. Ah, Bergen, ok. Tac. Ouais, donc toi tu vas faire la route des grandes villes en fait. Ah, c'est-à-dire que je vais pas tellement avoir le choix. Mm. Pour l'instant, je suis très très embêté. J'ai baissé un peu la musique, je suis désolé le stream, mais oui. dans mes oreilles c'est beaucoup trop fort. Pas de soucis. J'ai pas les couleurs qui sortent, ça m'embête. À toi. Allez, tu peux le faire. Okay. Ah, enfin. Mais non. T'as placé laquelle? Orebro, Oslo. Oslo. Je crois qu'il y a un... Comment ça s'appelle? J'ai plus le nom, mais je vais sortir à la mode Warcraft, du coup. Mmh. Un haut fait qui consiste à relier Murmansk et Lieska. Lieksa, pardon. Mais c'est la route que je l'ai dit des Huskies tout à l'heure. Oui. Et bah, elle est très longue. Oui, oui.
Je sais, fait j'ai... Tu crois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 9. C'est... On l'a placé 20... Combien 20 ? J'arrive pas à voir, c'est trop petit. 27 ? Ça me paraît beaucoup, 27. Ça me paraît beaucoup aussi. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, 9. Oh, ça va être long. Je sens que ça va être très long. À toi. Oh punaise. Tant pis. Ah. Vous voulez ? Non, non, vas-y, vas-y. C'est juste que oui, c'est vrai que j'ai fait A en mode, c'est vrai qu'il y a ce système-là. Oui, aussi. Il y a toujours des petits tunnels. J'ai toujours pas la couleur qu'il me faut. Tu veux du noir, c'est ça ? Ouais. J'avoue que le noir, ça a un peu de mal à sortir. Oh, sérieux. Oh, une noire. Aïe, je te la laisse. Les points qui servent à rien. J'ai mis un point. Ouais, un point, un point. Hop là, un point. Et ben moi j'en mets deux.
Tu vas réussir tous tes objectifs. C'est fait. T'as déjà réussi tous tes objectifs? Oui, oui, les 5. Hein? Oui, oui. J'ai perdu alors. Le petit 1. Joli. Vous voulez la Narmique? Non. Bon, alors, faut que je place bien. Tu as 9 cartes de la même couleur. Non, c'est ce que j'essaye de faire. J'ai 6 oranges, 6 jaunes, 6 blancs, 5 bleus. Mais avec les locomotives, ça suffit pas? Ah non, les locomotives. Mais non, tu m'as dit que ça comptait pas. C'est vrai. Et ça aille toujours, on sait jamais. Non, bah je jouais en dessous du 9, il y a un 6 à faire. Oh punaise, c'est du rouge, je peux pas le faire. C'est du rouge, ouais, je peux pas le faire. 6 avec 2 locomotives. Est-ce qu'il y a 5 verts? Ou 5 et... Non, je suppose que 5 noirs, c'est trop demandé. J'ai 2 noirs et 2 verts, donc... Ah mince, pas de chance. Il y a 4 oranges, sinon, après. Ouais, mais c'est 2 locaux. Non, au milieu, entre Orebro et Sunsval. Ah ouais. Donc t'as un 4 tout court, sans couleur, va à ça, Kuopio. Ouais, mais ça va être du 4, tant pis. J'aurais bien voulu le 9. J'aurais peut-être sauvé les meubles avec le 9. C'est 27 points quand même. Ouais, c'est vrai, 27 points. Attends, c'est vraiment 27 points. Je pense, hein, les 1 et les 7. En grossissant, ouais, tu peux voir, c'est bien 27 points. Bah non, ça sera pas 27, ça sera 7. Bah ouais. T'as fait tous tes objectifs, j'en reviens pas quoi. C'est affreux. Et j'ai aussi fait le trajet le plus long de bout en bout. Ah oui, je me doute, oui. Bonjour le chat, bonjour Widios. Comment il va? Ah, t'avais des petits points quand même. Hein. Mmh, c'est vrai. Il n'y a pas le train du plus long. Non. D'accord. Punaise, j'aurais fait le 9, j'aurais gagné, je suis deg. Plus 27, ouais. Bravo. Première Bravo. Partie, Ando marque le point. Oui. Première fois que ça arrive, je crois. Depuis le nombre de semaines qu'on joue ensemble à Ticket to Ride. Et oui, partie numéro 2. Si ça plante pas, ça plante pas, on est tout bon. Ça a l'air d'être bon. Allez, c'est parti, même chose, même passe, tout ça. Là, et hop là. Alors. Alors. Les objectifs. Oh. Ah oui, par contre, c'est beaucoup plus éclaté, hein, c'est compliqué. Alors. Ouais, puis mais je prends tout, hein. T'as tout pris tout à l'heure.
Je vais le tenter. Ça, tout est éclaté aussi, mais je le tente. Il y avait de la chance parce qu'il y avait quand même beaucoup de trucs qui étaient en bas. J'avais 4 points qui étaient en bas, donc... Alors moi, je suis un peu plus compliqué quand même. Il est où? Il est là. Alors celui-là, je vais le prendre quand même. Celui-là, oh, putain, celui-là, si je le fais, 18 points. Oh là là, c'est dur. Baptiste, es-tu assez fou pour tout prendre? Ah, bonne question. Non. J'en prendrai 4. 4. Allez, on va assurer les arrières. Retournons à Stockholm, ça faisait longtemps. On va assurer les arrières, hop là, le petit 1 qui sauve la vie. Ah, tu vas faire la petite étoile que j'ai pris tout à l'heure. Non. Non ? Ah. Ah, moi je suis toujours le trajet le plus long possible. Hein. Très bien. L'île Hammer, c'est marteau, on est d'accord? C'est où? Le Hammer en anglais, c'est un marteau. Oui. Comme sergent Hammer, sergent marteau. Oui, mais Lillehammer, ça veut dire petit marteau, je pense. D'accord, je pensais que c'était le marteau de Lille. Peut-être. Toum, toum, bravo. Quoi? Mais ça fait toum, toum, ça veut dire que c'était bon au tirage. Oui, c'est vrai. J'ai eu de la chance ce coup-ci. Ça, parfait. À toi. À gauche. Où tu vas? Il va faire la. Non? Bon. Quoi? Non, t'as dit on vire à gauche, non? Bah oui, et donc? Bah je pensais que t'allais prendre. Placer Tornio Boden. En vert. J'allais prendre quoi? Bah t'as pris Rovaniemi Tornio. Puis après t'as pris Tornio Oulu. Oulu. Oui. Et là, vu que t'as dit on vire à gauche, je me suis dit ça y est, il va prendre Tornio Boden. Ah non, pas du tout. C'est toi qui as viré à gauche en fait, qui a fait Turku, Helsinki, Helsinki, Tempéré. Oui, oui, oui. Je sais pas comment on, peut, comment pas. On prononce cela. Je sais pas. C'est tendu un peu. Je sens qu'on n'est pas loin de se chevaucher. Oh, en tout bien tout honneur, bien sûr. Ah bah y a un... Oui, oui, non, ça s'en fait, oui. Nous avons chacun nos responsabilités, je pense. Absolument. C'est... Mais attends, Murmansk, tout à l'heure, la route Murman. Oui, c'est bien ça, c'est la route des skis pour moi, c'est la route des traîneaux. C'est possible. C'est la route qui mène en Laponie, voir le Papa Noël. C'est possible, oui, ah, tout à fait, je pense même que c'est ça. c'est dur. Déjà qu'il faisait froid à Stockholm, punaise, à Murmansk, il va faire super froid. Oh bah oui. Je crois même que, bah, tu vois, on voit la limite du cercle polaire.
Ah oui, en effet, oui. Ouais, la partie vraiment très très violette, Ouais. c'est vraiment le cercle polaire, tu vois. Ouais. On a dit, tu vois, là, on est dans des régions où il n'y a pas beaucoup de soleil. Alors, que faisons-nous? C'est de prendre. On va prendre ça. J'ai pas suivi là, vous dites des trucs avec vos bouches. Bah, en même temps, le sens de la parole s'utilise avec une bouche. C'est vrai. Ou avec les mains. Mais je ne sais pas beaucoup parler en langue des signes. Et bien c'est quelque chose qu'on devrait tous savoir faire, je Tout à pense. fait. Pour une petite On devrait nous anecdote, renseigner. en 2014, 2015, je ne sais plus. Avec Radio Caravane, on avait fait une bande-annonce en langue des signes et sous-titrée, etc. Parce qu'on couvrait un événement à la grainerie. Vraiment, c'est un événement solidaire et social autour des artistes et des associations malentendantes, sourds et malentendants. Et donc, on avait fait ça en langue des signes. Donc, on avait rencontré un artiste qui était sourd et qui nous avait appris le texte qu'on devait dire, mais en LSF. Et c'était super intéressant, super instructif. Et jusqu'à 2015-16, il y avait des cours de LSF donnés à la grainerie pour tous les gens qui voulaient. Et ce n'est plus le cas depuis un certain temps, et je trouve c'est dommage, je trouve. C'est vrai. Parce que j'aurais bien Parce voulu que. apprendre ça en vrai. Ouais, je trouve ça vachement important. Et puis, t'as pas ce réflexe débile quand on est face à un sourd de hausser la voix pour qu'il entende. Mais ça, ce réflexe débile, bah, Ah il ouais. est sourd en fait. Donc, ça sert à rien. On va peut-être enfin pouvoir commencer à faire quelque chose, Baptiste. Allez, allez. Ah non! Ah non, 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 tous mes efforts sont ruinés! Pourquoi? Tous mes efforts sont ruinés! Oh punaise! Oh, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Aïe aïe aïe! On n'a pas le droit de prendre les trucs, je suppose. De Non, prendre je peux quoi? pas. Ah, les Bah, il doubles? double. Non, c'est à Ouais. partir de 3 joueurs. Mais bon, tant pis. Vous pouvez pas faire le tour par Norkenping et Obro où tu mettais deux couleurs En fait, j'aurais pu random. faire Norkeeping Orebro, et je pense que ça aurait été mieux. Je m'en suis rendu compte un peu tard. C'est pas grave. On va faire un très grand détour. Très très grand. La règle des ferries, c'est quoi déjà? Il faut pas qu'il y ait de locaux dans les 3 quarts tirés, c'est ça? Les tunnels. Oui, tunnel, oui. Pardon, oui, j'ai dit les ferries, les tunnels. Il ne Oui. faut pas que quand on les pose, quand on tire les 3 quarts de vérification, il n'y Et ait pas quelque de chose de la locaux même dedans. couleur. Non, c'est une carte de la même couleur ou une loco. Ah, il faut qu'il y ait une. D'accord, ok. Donc par exemple, si tu veux mettre ton 4 vert en tunnel qui rejoint Moirana et Trondheim, si tu pioches dans les 3 cartes une verte ou une loco, il va falloir que tu en mettes une de plus. D'accord. Alors ensuite. Là, ça va devenir compliqué. En vrai, la carte, elle est intéressante, je trouve, comparée à la France. Il y a plus de challenge et plus de réflexion. Il y avait quoi, 10 couleurs, je vais pas voir ce qu'il me faut.
Bah pareil, maintenant que je ne sors pas. Ah, ça y est. Ah, mais... Ah, mais je peux passer par là. Faut faire gaffe quand tu fais ça parce qu'il te demande instinctivement de mettre une locomotive. Alors que si t'avais une bleue, tu vois, ouais, ça aurait été plus avantageux. Mais j'ai posé une bleue. Enfin, j'avais une bleue en... Ah, oh, punaise, j'avais le choix. Eh ouais, t'as, du coup, t'as posé une locomotive en plus. Ouais. Ouais, faut faire gaffe parce que du coup, par défaut, tu te demandes de mettre une locomotive en plus. Alors que tu peux choisir. Allez. Mais ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Toi aussi, je crois. Bah, petit à petit, ça vient, mais il m'en manque encore deux. Ah, plus qu'une. Punaise. Voilà. À la base, je voulais passer par l'île Hammer et prendre tous les ferries. Et en fait, je me suis rendu compte en réfléchissant que non, mieux vaut passer à gauche. Et en plus, ça fait pareil, c'est deux tours et je gagne des points de wagon. Oui, clairement. Donc, des fois, faut réfléchir. Allez, là, la quatrième, elle attend. Ah non! Je voulais gagner. Tung, bicyclette! Il fallait que je gagne. Je pense que c'est bon. Hein. J'étais pas loin de où est l'arbitre là? J'étais pas très loin en plus. J'avais 7 blanches. Tu voulais la prendre aussi du coup. Mais t'as fini tes objectifs? Non, pas tout de suite, il m'en reste un. Je vais le poser au prochain tour de toute façon. Tu le poses sûr au prochain tour? Oui, au prochain tour je pose. Bon, ça va, parce que ça va se terminer là. Ouais, allez, je termine. Je te déteste! Je te déteste! Quoi, c'était ton objectif? Mais oui! Mais non! Mais si! Non! Oh. Punaise! Ah! Ah bah j'ai perdu de ouf, tu m'as fait perdre mon gros objectif de 18 points. Désolé. T'avais filé 5 toi? Ah oui, c'est bon. Ah bah voilà. Que dire de plus? Allez. On va mettre 15 points. Hein. Aïe aïe aïe. Et hop là, on recule, allez.
Je crois que j'ai jamais fait aussi peu de points. Alors là, tu vois, c'est ce qu'on appelle une grosse branlée. On peut le dire, là, il y a beaucoup de points d'écart. 86 points d'écart. Ouais. Un partout. Un partout. Jake ne triche pas, mais faut se méfier. Mais je triche pas. Comment veux-tu tricher? Comment veux-tu tricher, là, sérieusement? C'est vrai que c'est compliqué de tricher. Alors, encore une fois, c'est très éclaté, mais peut-être que... Allez, on prend tout. On va s'amuser un peu. De toute façon, dans la vie, il faut savoir prendre des grandes décisions, savoir se challenger un peu. Je vais tenter de tout prendre aussi, mais ça va être risqué. Alors, il est peur, on va prendre ça. Ah, c'est pas moi qui joue, pardon. À toi, j'ai rien dit. Du coup, tac et tac. Ah, ça commence mal. Bah, en même temps, quasiment toutes les routes sont des routes clés, donc... Oui, c'est pas faux. Aïe, 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 c'est pas grave. On va prendre un autre chemin. Ah punaise. Ça faisait longtemps ça. La redistribution ? Je ne sais pas du tout où tu vas, donc hop là. Pas de chance. Ouais. Dommage, dommage. Et Umea, mais c'est pas la petite ville Umea. On aurait dit Umea, mais ça n'a rien à voir. Ou Nouméa plutôt. C'est Nouméa, mais c'est en Afrique ça, Nouméa. C'est pas en Afrique. Non, c'est Nouméa. Nouméa, c'est pas en France. En Polynésie ou Tahiti ou ah, tout ça. Ah oui, c'est Polynésie, il me semble. En Afrique. N'importe quoi, bah, je dois confondre avec autre chose. Eh, t'es pas prof de géo. Hein. Ah oui, non. Pourtant ça va, en plus je touche ma bille sur les capitales en règle générale.
En règle générale, bien sûr. Quelle est la capitale de Djibouti? Djibouti. Waouh, t'es trop fort. C'était dur. Veux-tu bien me sortir les bonnes couleurs, s'il te plaît? Ben voilà. La capitale de la France est Ikea. La capitale de la France? Pardon? Quoi? Pardon? Quoi? Pardon? C'est-il? On peut être cliché, la capitale de la Suède. Et encore, fait véridique. C'est un fait véridique. Il n'y a pas de Ikea à Stockholm. C'est vrai, j'ai vérifié de moi-même. C'était un des défis que je voulais quand j'étais monté là-haut. Et non, le premier Ikea, en vrai, il faut plus se rapprocher de l'aéroport qui est déjà à 30 ou 40 km de Stockholm. Et sinon, il n'y a pas de Ikea à Stockholm. Ok. J'ai été choqué. Je vais avoir des locomotives, s'il vous plaît. Je suis d'accord. Non, oula, j'ai failli me tromper.
Locomotive, c'est le moment là de vous manifester. Parce qu'on approche quand même dangereusement de la fin. Mm. Attends, c'est intéressant ça. Tu peux remplacer une locomotive qui te manque. Je suis tout oui. J'essaie de comprendre. Pour prendre une ligne de ferry, vous devez jouer une carte locomotive pour chaque espace locomotive. Vous pouvez aussi jouer trois cartes quelconques pour un espace locomotive. La route que vous tentez de prendre comprend un espace, mais ça c'est pour moi. Donc, je peux faire ça. Et là, je choisis ce qui me manque. D'accord. Alors attends, j'annule. Donc je peux faire ça. Et dire, tu peux prendre ça. Comme ça. Et j'ai remplacé ma locomotive. Que je n'ai pas. Comment t'as fait du coup? Bah, la route là, c'était 3, enfin 2 oranges et une loco. Oui. J'ai joué mes oranges dessus. Et j'avais le choix d'autres cartes à remplacer à la place oh, de la locomotive. Effectivement. On apprend des choses tous les jours. Parce que dans ta sélection, il te faut quand même compter les cartes que tu as vraiment besoin de poser. Et tu rajoutes 3 cartes random en plus. Ah oui, effectivement. Alors attends que je me fasse pas une bêtise. Tac, ça, faut que je les garde. Donc, mais le noir, je peux virer. Donc, ça je garde. Et je ferai ça. Alléluia! Ouf! Je m'aperçois que tes trajets sont très éclatés, en effet, oui. Ouais, il me reste 7 wagons. Bon, au moins, personne prendra le murmant si est-ce que... Là, ça va être compliqué, hein. À moins d'inventer des wagons, mais... Oh non. Non. 9 et 9 et 9. Si près du but. T'as plus de points que moi. Ouais, mais... J'ai deux objectifs qui sont pas réalisés. Et c'est plutôt des gros. Ah zut. Ouais, il me manque un tour. Littéralement.
Non, deux tours quand même. Oh putain. Non, mais... Oh, les trois locaux. Les trois locaux, elles sont là, juste à la suite. Bah, fais quoi, façon perdu pour perdu, hein. Allez. Il fallait que je rejoigne ensuite Lillehammer et Trondheim. Et c'était bon. J'avais pas d'orange, donc je passais par Andal. Ah oui. Ouais. J'avais ce qu'il fallait pour faire le tour, mais... Tu as fini avant. Ça sent la défaite, encore une fois. Hein. Ah oui, la grosse défaite, même. La très grosse défaite. Aïe, 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 il m'a abusé. Allez, à mon tour. Allez, ça c'est fait. À la base, tu sais qu'il m'avait embêté parce que je pensais passer par l'extérieur, Narvik, Noa, Moirana, etc. Mm-hmm. Et au final, j'ai dû passer par l'intérieur. Et j'avais très très peur parce que l'intérieur, c'est les routes où on va forcément se bloquer. Et donc, bah là, par contre, au final, ça allait, ouais. Allez, ça fait 2-0. 2-1, pardon, pas 2-0. Ouais. Oui, j'ai dit moins. Je dis moins. Ah, c'est l'accent du sud. C'était quoi ça que tu nous as fait là? Ça c'était pas un accent. C'était pas du tout un accent du sud, ça. Non, un accent du sud, un petit peu germanique. Un peu, ouais. Il y en a. Plus que deux parties sur Ticket to Ride, les pays nordiques, Nordic countries. Countries. Oui. Magnifique accent. Ya ya ya. Oh non, c'est trop là par contre. Non, non, je ne peux pas accepter décemment de tout prendre. Oh punaise. C'est impossible. Ah ouais. Celui-là il vire et. Celui-là il vire. Allez. On verra bien après. Ah mais il y a celui-là là. Oh, quoique. Ouais, je prends tout. Allez. Mais encore une fois, je trouve que ce plateau est beaucoup plus. Demande beaucoup plus de challenge. C'est vrai. Contrairement aux autres. Surtout dans ses choix de mission. Tour, Jack est déjà en grande hésitation. Oui. Oui, oui, très beaucoup. C'est très, très beaucoup l'hésitation. Oui, bah ça va, je vais prendre une seule carte, oui. Allez, ça commence. Ok. Tu ne feras pas le triangle des Bermudes, Jake. Ah, c'est plus un carré, là. Oui, aussi. Poupa poupa poum.
c'est l'embêtement. Hein. Il peut. Alors en revanche, par contre, les locomotives, c'est en veux-tu en voilà. Hein. Ah bah pas moi. J'en ai déjà 4. Ah ouais. De son plateau après. Oh là là, Jake. Oui, bonjour. tu m'agaces. Oh là là. Il suffit de poser. Oui, monsieur. Au final, les gros points dont, par rapport aux petits points, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est juste pour dire que ce sont des grandes villes. Mais dans le scoring ou dans les objectifs ou missions secrètes, on s'en fout. Difficile, hein. Un peu. Punaise, tu vas aller là-haut? Non, pas encore. Pas encore. Là-haut où? Murmansk. Non. Pas loin, mais oui.
pense. Yes! Tu l'as... Quoi? Ah, punaise! J'en étais sûr, j'aurais dû l'apprendre. C'est ce qu'il fallait ? Oui, oui. Ah bah, si c'est ce qu'il faut, faut pas hésiter à une seule seconde, 27 points. Ouais, mais t'as la bleue. La bleue. Non, mais tu viens de poser un noir, Kyopio Yexka. Oui. Voilà, si je mettais la noire, tu mettais la bleue. Non, j'avais pas la bleue. Punaise. Punaise, punaise. Je piochais, je me disais, il faut du bleu, du noir, du bleu, du noir, du bleu, du noir. 6. Tendu, ça va prendre ça plutôt. Ah, et en plus, il se resserre. Carte que je viens de piocher. Ouais, ouais. Ça y est, il a validé. Punaise. Bah, c'est 3 points, honnêtement. Ah oui, mais c'est toujours ça de prix. C'est sûr. On ne dit pas non. Que j'aurais pas intérêt un petit peu à fermer le jeu. Genre, dernier tour. Ah, mais t'as déjà gagné là. Voilà. Bon, il y a un 3 rouge qui traîne, je peux poser que ça de toute façon. Ouais, il y a un 3 rouge. Voilà, je vais à Helsinki aussi. Le GG. Tu as fait tes 5 objectifs. Oui. Ah, donc t'as un avantage sur ce point-là, on verra bien. Parce que j'en ai fait que 4. Moi je me dis que ça va être quand même être serré. Attends, t'as 4 objectifs à 10 points, normalement 10 ou plus, normalement c'est bon. Hein. Bah oublie pas que celui qui a le plus d'objectifs a des points bonus. Ouais, mais bon. Et bah tu vois, t'as gagné. Oh punaise. J'y croyais pas. Allez, franchement. C'est fou ça! 3-1. Ah, je suis dégoûté! J'ai voulu être trop, pas, à la fois trop ambitieux et pas assez, tu vois. Et là, pour le coup, je t'accorderais presque la victoire. Ouais, j'aurais dû prendre un plus gros truc en objectif quand j'ai pioché. J'en avais un qui n'était pas très dur, mais j'avais peur de ne pas le réussir. Ah, tant pis. Est-ce que ça m'aurait suffi? Peut-être. The last one. Yes. Bon, l'issue de notre l'issue de ce match quand même. Oui, mais bon. Fini, scellé. Au mieux, ça sera 3-2. Heureusement, je fais pas gaffe à ce qui est écrit en anglais dans le chat général, mais apparemment, il y a des choses pas belles. Hein, donc, ne lisez pas le chat général. Comment ça? Bah, tu sais, quand t'es sur l'écran d'attente des choix de partie, il y a des gens qui sont dans le lobby. Ah oui. Et ouais, là. J'ai vu voir machin est muté, machin est exclu, tout ça, ouais. Enfin,
sérieusement, vous êtes sur un jeu de société, et c'est quand même grand public, c'est familial, c'est des jeux qui, et même d'une manière générale, soyez pas dégueulasses. Ouais. Les gens, quoi. Bon, alors, qu'avons-nous ici? Ah, génial, des routes parallèles, j'adore ça. C'est ma passion, les routes parallèles. Qu'est-ce que vous choisissez là, sérieusement? Ça fera 4 pour moi. Ça, à la limite, oui. Là, je le fais passer comme ça. Bon, allez, je prends les 5. Courageux, ambitieux. Ne serais-tu pas Serpentard? Non. Faudrait que je le refasse, le test des maisons de Poudlard. Ça fait très longtemps, je ne sais plus. Il faut savoir que ce test-là varie énormément en fonction de l'âge. Ah ouais? Quand t'es jeune, t'as plutôt tendance à être Gryffondor, justement. Bah justement, c'est ce que j'allais te dire quand je l'avais fait au moment de la grande hype Harry Potter mondiale. J'étais Gryffondor. Mais je pense que ça a dû changer depuis. Et en grandissant, généralement, tu vas plus vers soit le Serpentard, soit vers le Cerf d'Aigle. Je sais plus, je le referai. Et moi, j'ai beau le refaire, tout le temps la même chose. C'est quoi, toi? Cerf d'Aigle. Les érudits, les sages. Oh, pardon. Non, mais rien que... Cerf d'Aigle, à quel point c'est des érudits, rien que pour rentrer dans leur dortoir. À chaque fois que tu veux rentrer dans le dortoir, faut répondre à une énigme. Genre, t'as oublié ta trousse? Oh merde, faut que je retourne au dortoir. Et hop, une énigme, allez. Faut bien te mettre encore plus en retard. On va prendre ça quand même, oui, c'est bien ça, puis ça aussi. Oh, puis un peu de ça, et puis un peu de ça. Qu'on va pas être copain, Jack. Je commençais à stresser à partir du moment où t'as posé tes ragons, en fait. Aïe aïe aïe, c'est dur ce jeu. Ce plateau là, il est vraiment très dur. Et tu dis qu'on est que deux. Imagine à 3, 4 ou 5. Ouais, mais. Il y a les doubles voix après. Et encore, il n'y a pas tant de doubles voix que ça ici. Hein. C'est vrai. T'as Kiruna, Boden. Tu redescends Boden, Umea, Ostersund, tu redescends... Non, pas Ostersund, Umea, Sundvall, pardon. Sundvall, Stockholm. Stockholm, Nord... Bah, en fait, c'est une seule ligne, quasiment, qui fait l'horizontale et l'autre la verticale. Et après, il n'y a pas d'autre. De Narvik jusqu'à Copenhagen, ouais. En verticale. Et de Bergen jusqu'à Helsinki, du coup. Ouais, ouais. Et tout le reste, c'est débrouillez-vous. Donc, C'est ça. Tout le reste, c'est... Tu te démerdes. Alors, on est où, Baptiste? On est où? Ah, quelle bonne question. Beaucoup de blanc là. Ouais, beaucoup trop de blanc même. Blanc comme neige. Ouais. Que j'ai besoin de blanc, même pas en plus.
Ah si, un petit peu. Un peu du blanc, un peu. Bah tiens, voilà, comme ça, moi, ça clean. M'en faut encore deux. Voilà, le blanc. Bah maintenant, c'est le rouge. Ouais. Mais, mal au cou. Et locaux. Ouais, c'est ça. Encore du rose, hein, beaucoup de rose cette fois-ci. Ouais. Ah, j'ai entendu, je vois le chat, apparemment on ne dit pas. J'ai dit wagon et apparemment dans le nord on dit wagon. Ouais, c'est étrange quand même cette disparité du langage. Ouais. Non! Oh, quel dommage! Je suis dégoûté. Non! Ah bah si! Mais j'ai économisé les blancs pour ça! Tu crois que j'ai pas vu ton petit jeu, Jake? J'ai économisé les blancs, quoi! Au cas où j'avais encore, 8 roses hein, derrière, hein, si tu peux savoir. Ah là là. Ah, on dit que le W existe pour être prononcé. Bah, le H aussi, dans ce cas. Alors, dans ce cas, si wagon. Bah, tu mets un U, quoi. Wagon. Wagon? Wagon. Wagon. Ouais, wagon. Ouais, c'est plus ou que A. Faut vraiment qu'on fasse l'émission sur les différences régionales. Oh oui. Oh oui, oui, oui. Mais en plus, je suis sûr que tu t'en fiches du trajet à la base de tout là-haut, quoi. Pour le coup, là, non. C'est important. Ok. Thank you.
Ouh. Une grosse épine qui s'est retirée là. Mmh. Oh mince. Allez, il s'est planté. J'ai pas fait gaffe. Non, je suis en train de faire un truc, ouais. Un trajet à 8 points que tu m'as bloqué. J'ai pas fait gaffe du tout. Je suis censé passer par Ostersund, pardon. C'est où ça? Et c'est ah, entre okay. Trondheim et Sundsvall. Ah oui, là où du coup. Ah oui, en effet, oui. Et du coup, c'est un peu compromis. Ce n'est point grave. Ça, pourquoi pas? Ça, pourquoi pas? Mais non. Je peux avoir ce que je souhaite ou Zef? Juste par curiosité en fait. Je sens que c'est la fin, Jack. Oh non! Oh bah si! Oh punaise. Ah, c'est bon, il y aura 3-2 au pire, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais là, tu vois, je pose ça. Et il me manque un tour. T'allais où à Helsinki? Turku. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai posé, tiens? Tiens, hop, quoi qu'il arrive, tu l'aurais pas fait. J'aurais fait le tour. Oh, mais pas faux. Ah, oh, ça va s'équilibrer alors. T'as perdu 7 points, moi j'en ai perdu 8. Oh, t'as perdu 10 points en plus! Allez, 24 points. Ouh. Ouh, ce trajet. Ouais, quand je l'ai vu, j'ai fait, il faut que je le fasse. Et ben voilà. 63 points d'écart. Eh bien, GG, hein. Eh bien oui. Oh là là, encore une fois, Jake est le champion incontesté des cheminots. Ouais, enfin là, tu m'as mis des claques quand même. Celle-là, ouais. Donc j'ai eu 2 victoires quand même, mais 2 victoires, 2 belles victoires quand même. Alors, je vais juste faire un point vite fait, parce qu'il n'est pas trop tard. J'enlève ce qu'on a déjà fait dans ma sélection. J'enlève les déclinaisons aussi, USA 10 Classic, Mega Big City. Oui. Europe, on l'a fait. Nordic Countries, on vient de le faire. Oui. Asie, on l'a fait. Oui. Inde, on l'a pas fait. Inde, on l'a pas encore fait. Et France, on l'a fait. Ok. Il nous reste... ça, je peux l'enlever aussi. Il nous reste à tous les deux à jouer en Pennsylvanie. Vraiment, là, j'allais dire le département, mais l'état de Pennsylvanie des USA a sa propre carte. Celui-là. T'inquiète, ça va s'arranger. La Suisse, Switzerland. Oui, Switzerland. Germany, l'Allemagne. Germany. L'Inde. Et United Kingdom. C'est ça. Donc il en reste 5 à tous les deux. Donc à retrouver prochainement, bien sûr, un mardi soir. Enfin, du coup, plusieurs mardis soirs. Pour finir, Ticket to Ride. Et suivez bien sûr Ivacente sur tout ce qui va arriver aussi. Il y a d'autres streams, il y a d'autres aventures, il y a d'autres propositions qu'on va vous faire dans pas si longtemps que ça. Il se peut qu'il y ait des surprises aussi, au passage. Voilà.
Donc rejoignez le Discord, hein, y a plein de blabla, il y a plein d'actu ciné aussi, on aime bien parler cinéma, on aime bien parler jeux vidéo. Et tous les jeudis soirs, vous venez récupérer des jeux vidéo gratuitement sur le Discord, venez vous faire plaisir. Donc faut en profiter. Et même en dehors des jeudis soirs, des fois il y a d'autres jeux à récupérer gratuitement. Venez suivre sur Twitch si c'est pas déjà fait, abonnez-vous si vous le souhaitez, ça nous soutient. Rejoignez les réseaux sociaux, vous connaissez la chanson. Merci Mister Ando pour ce soir. On se retrouve évidemment un prochain mardi soir et d'autres mardis soirs pour continuer nos sessions Ticket to Ride. Et ensuite, une fois que ça sera fait, on fera d'autres jeux de société qu'on a en stock, évidemment. Oui, j'ai hâte. On vous fait des bisous. Prenez soin de vous. Passez une agréable nuit, une agréable soirée, une agréable journée si vous regardez cette VOD en journée sur YouTube. Voilà. À très vite, cordialement. Bisous. Bisous.